Les cadres du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie sont à couteau tiré. Au pied de guerre, Anissa et Kané accusent Dieudonné Yebga, élu président national du Manidem en mai 2015, d'avoir bloqué le fonctionnement normal du parti. Les instances dirigeantes ne se réunissaient plus, le parti sombrait dans la léthargie. Nous nous sommes rendus compte que ce camarade entraînait le parti vers des alliances qui n'ont pas été celles décidées dans le dernier congrès. Nous nous sommes rendus compte que le camarade sombrait dans certaines pratiques où on faisait prévaloir le mysticisme ou bien les traditions du village. À son tour, Dieudonné Yebga dénonce l'ingérence de son camarade Anissa et Kané dans la gestion de son bureau politique. Il y a effectivement une crise qui s'écoule au Manidem en ce moment. Il était donc question, en tant que président du parti, de chercher des alliances pour les patriotes. Comment s'organiser pour élargir la base électorale. Et c'est ça qui a fâché un certain nombre de camarades qui ont créé la rébellion. Voilà la situation. C'est une situation qui a conduit à des suspensions en cascade. Après le CNC du 29 juillet 2017 en Bankomo, les résolutions qui ont été arrêtées, et suspendant le camarade Ekane de toutes ses fonctions de direction, et cela nous a amené à faire une autre correspondance au MINAT pour la prise en compte de la nouvelle situation. Dieudonné Yebga a suspendu les membres qui se sont ralliés à Anissa Ekane. À son tour, il a été démis de ses fonctions de président national. Absolument, et cela a été dénoncé. Nous avons écrit au MINAT pour dire que le parti était en train de se réorganiser. Nous avons décidé de mettre de côté le président et de mettre sur pied un comité de réorganisation composé de 4 membres. Les 2 clans qui se sont suspendus ont saisi le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le coup de sifflet de l'arbitre est attendu pour établir l'ordre au sein de cette formation politique qui bat de l'aile.